Nous parlerons aujourd'hui des qualités qu'il faut avoir pour être un bon mari. Les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne femme. Les qualités pour un meilleur conjoint. Quand on dit un bon mari, c'est quelqu'un qui est comment? Quand on dit une bonne femme, c'est quelqu'un qui est comment? Cette prédication va droit au marié pour qu'il sache où est-ce qu'ils peuvent rectifier, quelle qualité faut-il développer. Cette prédication va droit aux jeunes qui me suivent dans la salle ou en ligne, pour qu'avant qu'ils ne se lancent dans le mariage, qu'ils sachent je dois être comment avant de me marier. Comme ça, quand ils suivent des prédications de ce genre, ils entreront un jour dans le foyer connaissant ce qu'il faut être. Nous ne préparons pas le mariage le jour du mariage. Le mariage se prépare dans la jeunesse. Le mariage se prépare dans le célibat. Le jour où on vient devant le peuple, on vient offrir ce qu'on a été avant. Tu viens donner à l'autre ce que tu as développé dans toi avant d'arriver. C'est pourquoi nous disons que des prédications comme ça doivent être prises au sérieux pour les célibataires. Parce que un célibataire qui a tout suivi et qui arrive dans le foyer ne peut pas être bon, c'est qu'il est méchant. Que tu aies suivi, des prédications de ces gens dans le célibat, tu te maries, tu deviens impossible. Quelle solution faut-il accorder à toi? Vous devez avoir commencé à vous former avant. Je parlais avec une jeune fille, ça ne fait pas longtemps. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais être une bonne femme dans ma vie. Et je sens que Dieu continue à me dire que je dois avoir une croissance spirituelle. Je lui ai dit ceci. Va faire quelque chose. Va mettre sur papier toutes tes faiblesses. Ce que tu sens, il te faut changer. Là où tu sens qu'il me faut grandir spirituellement, amène-moi cela sur papier. Comme ça, moi et toi, on va prier. Je prierai pour toi ici à l'église. Comme pour dire que ces failles disparaissent et que Dieu te donne ce qui est mieux. Quand on sait là où on n'est pas fort, on peut facilement changer. Et ça fait même parmi les qualités qu'il faut avoir. Alors nous n'allons pas aller très rapidement, nous n'allons pas aller entraînant. Parce que comme après on va bénir les jeunes couples ici, nous irons droit à la prédication.